Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens pour Vivant ses reliances à Toulon, chez Hélène Gâteau, qui nous reçoit très sympathiquement. Hélène qui est thérapeute, donc, et j'avais très envie de pouvoir te présenter aux auditeurs de nos vidéos. Donc, alors, Hélène, tu es thérapeute, ok. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, merci Stéphanie. Thérapeute, pour moi, ça, j'adore cette définition qu'a Jean-Yves Leloup. Ça vient du mot grec thérapeuienne. Et c'est vraiment les gens qui initient et qui amènent à la guérison par la compréhension, en fait, de notre être profond, du sens de la souffrance et du sens de la vie. Donc on permet, en fait, aux gens de se connaître eux-mêmes et de mettre... si c'est des paroles, mais surtout un sens à leur souffrance. Du coup, ça leur permet d'exister mieux déjà, et un sens à leur vie, et qu'ils vont pouvoir aussi éclairer, tout simplement. Et donc voilà, la guérison est pour moi avant tout psychique, spirituelle, avant vraiment de descendre dans la manifestation de la matière et se réaliser dans une autre manifestation de leur réalité. Les gens vont se positionner différemment dans leur réalité. Donc en fait... voilà, c'est vraiment les ouvrir à leur conscience et à la possibilité de choisir de corriger leur perception erronée, histoire d'amener une manifestation d'une réalité autre. Parce qu'on le sait bien, ce sont quand même nos croyances et nos perceptions qui créent notre réalité. Et à partir de là, quand on arrive à changer de regard sur notre passé, sur nous-mêmes, sur le monde, on corrige et on change aussi notre réalité. Mmh. On est quand même tous des co-créateurs. Mmh. Voilà. Et autant il y a d'individus sur Terre, et autant il y a de réalités différentes sur Terre, en fonction des croyances et des perceptions que chacun possède dans sa carte du monde. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors moi j'ai commencé il y a longtemps par la psychothérapie, hein, déjà à travailler sur moi. Parce que c'était vraiment, ben voilà, je souffrais terriblement, il fallait que je mette un sens, que je comprenne en fait le sens de cette souffrance. Donc j'ai commencé par moi, à l'âge de 20 ans, et merci mon Dieu, parce que ça a été un parcours fabuleux. Et je me suis pris de passion pour ça, j'étais passionnée déjà par l'être humain, par la biologie humaine. Donc j'ai commencé par la naturopathie, l'iridologie, la PNL, les fleurs de Bach, la guérison énergétique. Je me suis formée à la transe, aux cartes de couleurs. Vraiment, j'ai cheminé, déjà pour moi. Et dès que je rencontrais un outil intéressant, ben, je me formais à l'outil. Voilà. Et à un moment donné, j'ai rencontré la kinésiologie, qui est un outil, pour moi, un des plus puissants que j'ai pu rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il passe par le corps. Alors, kinésiologie, ça veut dire quoi? Ça vient de kinésis. Je fais des références grecques à chaque fois, mais bon. Kinésis, c'est logos. Logos, c'est la science, le discours, la parole. Et kinésis, c'est le mouvement. Le mouvement en nous est fait par les muscles. Oui. Et en fait, on sait très bien que le cerveau et les muscles sont reliés par la même chose, c'est des fibres neuronales passent dans les fibres musculaires. C'est pour ça que quand on envoie un ordre du style « lève le pied », évidemment, tout de suite, ça lève le pied. Enfin, notre corps, s'il marche bien, lève le pied. Hein. Ok. Donc à partir de là, on utilise le test musculaire pour aller voir quelles sont les informations qui sont logés dans nos cellules et dans notre carte du monde et qui ne seraient pas en adéquation avec ce qui serait non souffrant, on peut dire. Par exemple, si dans mon équation, alors on sait que le cerveau il marche en termes binaires, lui il marche à la vie et à la survie. D'accord? Tout ce qui égale la vie et la survie, il y va. Donc ça veut dire que l'inverse égale le danger, la mort ou la souffrance. Donc si j'ai enregistré dans ma carte énergétique, par exemple, que la frustration égale la vie ou la survie. Évidemment, la satisfaction égale la mort, la souffrance ou le drame ou le danger. Donc le cerveau, la satisfaction, il n'y va pas. Et nous, on vit des situations non-stop de frustration et on ne sait pas forcément pourquoi. Donc le rôle de la kinésiologie à un moment donné, c'est d'aller voir là où le cerveau n'a pas d'autre choix que d'aller où il va et de réagir comme il réagit. Et à partir de là, on met cette équation à jour et on regarde d'où ça vient en amont. C'est peut-être une mémoire généalogique, c'est peut-être une mémoire karmique, c'est peut-être... voilà. Bon, donc l'histoire, c'est de mettre à jour la mécanique, comment ça s'est mis en place dans la carte du monde, là où le cerveau, il n'a pas le choix de répondre autrement que ce qu'il fait. Et après, une fois qu'il a l'étendue des dégâts et les causes, les conséquences, y compris les ressources auxquelles il peut se brancher de l'autre côté,
Et bien, il va me demander une correction, toujours pareil, par le test musculaire. Et à partir de là, et bien, on va vérifier que l'équation, c'est bon pour le cerveau. Elle est rangée à la bonne place. Il a remis les bons éléments dans les bons endroits au niveau de son psychisme. Et du coup, il a rendu à César et à Césarine, on va dire, ce qui leur appartenait. Et là, il a réouvert. Et il va se dire, ah ben oui, dans sa propre carte du monde, il y a un autre chemin là, un autre chemin là, un autre chemin là, un autre chemin là. Et du coup, il retrouve un libre choix de réponse. Et ce qui m'intéresse, c'est quand la personne, elle est dans cette conscience aussi, de poser différents petits pas dans sa vie de tous les jours, et de façon plus naturelle, puisque c'est corrigé, mais des autres petits pas pour dire, bon, ok, maintenant je peux planter la graine de la satisfaction égale la vie. Qu'est-ce que je fais un pas après l'autre? Comment je peux soutenir mes désirs, mes envies, mes limites? Voilà, satisfaire tel besoin. Et amener, par exemple, de la satisfaction. Si évidemment, l'équation correspond à frustration de satisfaction. Donc voilà, on va vraiment éclairer qu'est-ce qu'on est venu réaliser comme potentiel sur cette terre, en enlevant aussi, hein, en épluchant l'oignon, et en enlevant les résistances qu'on peut avoir à vivre, vraiment, dans la joie, le plaisir, la paix, trouver l'harmonie dans les conflits. Enfin bon, bref, c'est... Après, quel que soit l'outil qu'on utilise, je crois que le but du jeu, c'est vraiment de vivre en accord et en cohérence entre l'esprit, le cœur et le corps. Moi, j'ai vécu l'expérience avec toi de pouvoir avoir même quelques-unes des consultations en kinésiologie. Je reconnais que j'ai été quand même surprise et agréablement surprise par la puissance et en même temps le côté naturel, le côté simple de cet outil-là. Je dois reconnaître que j'ai été conquise, vraiment, vraiment. Mais la puissance, j'insiste sur cette puissance-là. Merci, merci de ton retour. En tout cas, ça fait vraiment plaisir à entendre. Après, voilà, pour moi, l'outil est un outil. Et je crois que la personne fait l'outil. C'est-à-dire que moi, j'utilise la kinésiologie, mais j'utilise aussi la démoka, j'utilise le quantique, j'utilise en groupe les constellations familiales. Quel que soit l'outil qu'on utilise, l'intérêt, c'est vraiment, en tout cas en tant que thérapeute, avoir une éthique de thérapeute, être dans des valeurs de cœur et avoir fait vraiment le travail d'évolution, de conscience. Moi, je sais que je continue à travailler sur moi non-stop parce que pour moi, il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout à notre évolution de conscience. Et j'aime pas trop le terme de développement personnel. J'aime le terme d'évolution de conscience. Voilà, j'ai envie d'éveiller les consciences, que les gens ils comprennent le sens de les lois de la vie, par exemple. On est régi par les lois, le corps est régi par des lois, la vie est régie par des lois, notre cœur est régi par des lois, c'est les mêmes. L'intérêt, c'est vraiment de les comprendre, ces lois, pour d'avoir le mode d'emploi. Alors, je ne sais pas s'il y a un mode d'emploi, mais en tout cas, en ayant une compréhension globale des lois de la vie, en ayant une compréhension individuelle de comment je fonctionne, en ayant, en se connaissant en fait soi-même dans ses ombres et dans ses lumières, en développant l'acceptation de ce qu'on est profondément avec nos ombres et nos lumières, je crois qu'on peut mieux fonctionner dans la vie de tous les jours, dans la société, d'une autre manière en tout cas, ou avec un autre regard et une autre posture. Et moi, mon but, c'est vraiment d'amener les gens à vivre au mieux ce qu'ils ont à vivre. Donc, ce que je comprends, c'est que les gens qui viennent à toi font partie de tout type de public. Tout type. Tout type de public. Il peut y avoir des gens qui viennent... Alors, tout type de public, dans le sens, oui, où il y a des enfants pour des problématiques diverses et variées, bon, notamment la concentration, l'hyperactivité, bon, il y a beaucoup de ça qui est répondu. Mais les enfants, voilà, ils sont vraiment dans la conscience, les enfants. Ils ont vraiment une ouverture de conscience absolument phénoménale à l'heure actuelle. Des ados, moi, enfin, je me régale avec eux. Après, ben, il y a les plus adultes qui, effectivement, ont des problèmes. Alors, ça peut être des symptômes physiques, ça peut être des symptômes émotionnels, l'angoisse, la dépression, le machin, chose. Ça peut être des choses qui bloquent, des dysfonctionnements dans leur vie de tous les jours, dans leur comportement. Ça peut tout être. Donc, oui, c'est ouvert à tout le monde, parce qu'à un moment donné, on va vraiment aller regarder les causes profondes qui créent les symptômes ou le dysfonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les causes ont été trouvées, les bons contextes ont été trouvés, eh ben, du coup, le symptôme disparaît, il n'a plus lieu d'être. Mais on ne peut pas effacer les symptômes sans avoir éclairé les causes.
C'est une histoire de conscience, encore une fois. Oui. Oui, oui, j'entends. J'entends. Donc là, nous parlions de séances individuelles. Je sais également que tu travailles en groupe avec oui. les constellations familiales. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, les constellations familiales, ça a été mis au point par Bert Hellinger, qui a découvert qu'en fait, dans les familles, elles étaient régies, elles aussi, par des lois de systémie familiale. Et en fait, les lois dans ces systèmes-là, elles fonctionnent toujours comme ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a la loi d'appartenance. Chaque personne qui arrive dans une famille a droit à son appartenance à la famille et à sa place. Si, dans une famille, il y a quelqu'un qui a été exclu parce qu'elle n'obéissait pas aux lois familiales, etc., les enfants qui vont arriver derrière vont le ressentir et c'est comme si, je ne sais pas, moi, dans ton corps, il manque un bras. Donc, ça ne va pas le faire. Et ils vont, on va dire, symptomatiser quelque chose ou avoir un dysfonctionnement pour signaler que plus haut, dans la généalogie, il y a eu quelqu'un qui n'a pas eu sa place. Je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus simple peut-être avec les exemples. Par exemple, la grand-tante, elle est tombée enceinte, ça ne se faisait pas, en n'étant pas mariée, elle est tombée enceinte. Boum, on l'a mis au couvent. Et plus personne n'en a parlé dans la famille. Oui. D'accord, bah, c'est interdit. Donc, elle s'est retrouvée exclue. D'accord. Il va passer une génération, deux générations, la troisième génération arrive, il y a un enfant qui arrive, il va sentir qu'il y a quelqu'un qui n'a pas appartenu à la famille ou qui a été exclu de la famille. Est-ce que tu peux préciser le sentir, Hélène, s'il te plaît ? Le sentir. Il va sentir, précise ah, s'il te plaît. Ça, il va avoir l'information dans ses cellules, donc c'est inconscient effectivement, que... Eh bien, il manque un bras à la famille, ou il manque une feuille, une branche d'arbre. C'est-à-dire que cette tante, elle a été exclue. Il ne le sait pas consciemment. C'est inconscient. Mais c'est il porte ça. Sauf que dans la réalité, dans la matière, dans ses manifestations, dans ses actions, il va somatiser quelque chose. Il va avoir une maladie ou il va, je ne sais pas, devenir peut-être autiste. Ou il va signaler à toute la systémie qu'en fait, là-haut, elle n'a pas été réinclue et qu'elle n'a pas été à sa place. Et sa place est restée vide, du coup. Et du coup, ça va par cascade se ressentir, en fait. Et l'enfant, en bon sauveur qu'il est, parce qu'on est tous des sauveurs en puissance, on ne choisit pas une famille par hasard, à mon avis, du point de vue le plus élevé de nous-mêmes, on ne choisit pas par hasard. Et quand on arrive, eh ben, en fait, on a tellement le cœur que tout le monde soit réuni, que tout le monde soit unifié. En harmonie. Et en harmonie en plus, ça, en harmonie en plus. Que du coup, eh ben, on va se faire porteur du symptôme, pour signaler à toute la famille ben, que la grand-tante n'a pas été reconnue, tout simplement. Et c'est ça qu'on peut mettre à jour des voix en constellation familiale, c'est ça qu'on peut mettre à jour aussi en individuel, bien sûr, mais dans les constellations familiales, ce qui est fabuleux, c'est que ça se joue, comme dans la vie de tous les jours, en 3D. C'est-à-dire, on est en cercle, d'accord ? On va choisir des personnes qui vont représenter ben, la grand-tante, moi qui suis en train de somatiser voilà, une maladie, qui est, voilà, on la connaît pas au départ la cause. Hein. On va vraiment partir du symptôme, du blocage ou alors de l'objectif qu'a la personne. Et en fonction de ses connaissances ou pas d'ailleurs, on va voir, elle va vraiment mettre en place les personnes qui vont représenter papa, maman, moi, le symptôme, le blocage, l'objectif, etc. Et là, on va voir. Le conflit va se révéler. Et en fonction des ressentis de chaque personne dans les constellations, parce qu'ils sont en lien, en fait, avec l'inconscient de la famille et de le système familial, on va voir la solution émerger au fur et à mesure, la cause émerger au fur et à mesure. Un peu comme une enquête. Oui. On ne sait jamais où c'est qu'on va. Hein. Autant quand on part dans une séance individuelle que quand on part dans une constellation, on ne sait jamais où ça va. Mais comme par hasard, ça se révèle au fur et à mesure. Et tu vois, alors ok, je vais encore du côté des Grecs. Ce qui est génial, par exemple, c'est que la vérité, en fait, il n'y a pas un absolu de vérité. Il n'y a pas ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est la vérité. Non. La vérité, en grec, ça se dit « eleutheia » ou « aletheia », je crois. Et en fait, il parle d'une vérité qui se dévoile un pas après l'autre. Et bien, pour moi, c'est ça. C'est exactement ça le chemin de la vie. Le pas, tu le fais. Et quand tu le fais, on te dévoile le pas. Enfin, la vie te dévoile le pas d'après.
Et puis, il y a le pas d'après. Et là, tu vas vers ta vérité. Et là, du coup, tu avances. Et ça bouge tout le temps. Parce que ce qu'on dit d'ailleurs, et c'est très juste, c'est que la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est que ça change tout le temps. Donc en fait, ça se dévoile un pas après l'autre, on est dans ce changement. Là où on a un souci, nous tous en tant qu'êtres humains, c'est qu'on a cristallisé des choses. Alors ça, ça ne change pas, hein, jamais. Hein. Et bien ça, pour moi, c'est ça qu'il faut dénouer. Rendre fluide. Que le mouvement de la vie reprenne le dessus. La vie, c'est elle qui fait, c'est elle qui solutionne, c'est ça qui émerge en nous. On est tenu par le vivant de la vie. À partir de là, ça peut dénouer tous les nœuds. Oui, 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 comme quand tu fais sauter un barrage, le flux redevient, circule, quoi. C'est ça, d'accord. C'est ça. Donc on enlève, voilà, les résistances au changement, on dénoue les nœuds et le flux, effectivement, recircule de façon fluide et c'est comme ça qu'on guérit. Et donc alors, les personnes qui viennent travailler en groupe avec toi en constellation, est-ce que ce sont des gens qui doivent impérativement avoir travaillé sur eux, suivi une psychothérapie, avoir commencé à faire un petit peu le tri dans leur histoire personnelle ou pas forcément? Pas forcément. Ils peuvent être complètement novices, de toute façon. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Bon, les enfants et les ados, moins, à moins qu'ils soient en demande, les ados c'est rare, mais des fois il y a des ados, ben ouais, ils sont un peu plus éveillés à l'heure actuelle, donc oui. Mais en général, ce sont des adultes, ce sont ceux qui se sentent attirés par cet outil-là. Moi, en général, quand je reçois les gens en constellation familiale, on passe un temps à ce que je leur explique comment ça fonctionne, que je leur donne les lois familiales, les lois de la systémie familiale. Je leur explique comment ça fonctionne et on commence. Et en fait, tout le monde se laisse porter par ce flux. Ce qui est fabuleux pour moi dans une constellation familiale, c'est qu'on baigne dans un amour où tout peut être dit. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente. C'est juste tel que c'est. Les souffrances peuvent être exprimé. Du coup, il y a des paroles de cœur aussi qui sont dites pour amener un baume et guérir. C'est ce qui est intéressant, c'est que chacun se retrouve dans sa justesse. Et à la fin, on voit quand l'amour émerge, quand la paix émerge, quand la joie émerge, on les sent, les énergies, on baigne dedans. On baigne dedans. Et en fait, voilà. Je ne sais pas si ça... Si on peut mettre un mot là-dessus, moi je le nomme à ma manière, mais on pourrait l'exprimer de mille et une manières différentes en fait. Mais voilà, on baigne là-dedans, pendant un jour, pendant deux jours. Tout le monde est au service les uns des autres. Il y en a une qui fait sa constelle, tout le monde est au service. Après c'est elle qui va être au service de la systémie familiale des autres. Et en fait, voilà, on va passer son temps à trouver l'harmonie dans les conflits et à trouver les solutions qui émergent d'elles-mêmes. J'allais presque dire que c'est très difficile d'en parler, il faut presque venir le vivre plutôt. Ah, en tout cas, voilà, entendre la théorie, ça ne veut peut-être rien dire. Par contre, expérimenter, oui, parce qu'on baigne dedans, on expérimente, on le vit, et là, c'est, voilà, c'est engrammé dans les cellules. Hein, Tu proposes régulièrement, de toute façon, des journées. On va mettre tes coordonnées, ton site à la fin de la vidéo pour que les gens puissent aller consulter, te découvrir et puis trouver les dates. Oui, voilà, il y a tous les événements qui sont notifiés, c'est très clair sur le site, donc oui, oui, bien sûr, merci. Moi, j'ai une dernière question, Hélène, qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui t'a amené aux constellations familiales ? Alors, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai connu la kinésiologie, j'ai fait du décodage biologique, j'ai continué mon chemin. Et à un moment donné, je suis allée à une conférence où j'ai entendu parler des constellations familiales, j'ai vu un exemple. Et je me suis dit, ça, je veux le vivre, je veux le faire. Rien que pour moi d'abord, parce que je commence toujours par expérimenter pour moi. Et quand j'ai expérimenté un week-end, j'ai dit ça. Ça a changé ma vie, hein, la première fois que j'ai expérimenté les constellations, que je l'ai vécu, l'expérience. J'ai tourné une grosse page, je me suis retrouvée dans mon identité, waouh. Ça a remis des choses en place dans ma vie. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'en parler à la famille, hein, ça les touche tous à leur propre niveau, à leur propre degré, mais dans l'amour, toujours dans l'amour. Et là, j'ai dit ça, je veux me former à cet outil-là. Et j'ai attiré à moi l'information qui a fait que du coup, je suis allée 2 ans et demi en formation. Alors tous les mois, j'y allais en courant.
On se faisait un week-end de constellation et le soir on avait la théorie et voilà, et je me suis formée comme ça, je me suis régalée. L'enthousiasme transpire complètement de toi. Ah merci, ben, je suis une passionnée, je crois que je suis, mais une passionnée de... Quand je vois comment j'ai transformé ma vie, rien qu'en travaillant sur moi, après peut-être que je sais pas, ma vocation, c'était ça, enfin, en tout cas, voilà, je suis complètement dans mon truc quand je fais ça. Ça me passionne, l'humain me passionne, sa capacité d'évoluer, de changer me passionne. Et je suis mon premier cobaye. Et j'apprends toujours, toujours, toujours. Et il n'y a pas de bout à ça. Moi, je crois qu'on est, on est là pour ça, en fait. Et oui, et donc du coup, l'enthousiasme, ben oui, forcément, ça m'habite beaucoup aussi, bien sûr, bien sûr. En tous les cas, merci Hélène, merci d'avoir prêté ton temps pour répondre à ces questions et puis nous avoir fait découvrir ton univers. Merci beaucoup à toi Stéphanie, et toi aussi tu as prêté de ton temps, je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir en tous les cas. Oui, pour moi aussi. Hein. Merci. Je te souhaite une bonne continuation, bon vent pour la suite, ouais, et merci. Puis au plaisir. Bien sûr, j'espère bien. Merci pour votre attention, puis à bientôt. Merci.